La jeune fille, le diable et le moulin. L'histoire de la jeune fille, le diable et le moulin est surprenante. Cette pièce de théâtre a été écrite par Olivier Py en 1995. Olivier Py est un auteur et metteur en scène français très connu dans le monde du théâtre. Il a été directeur du théâtre de l'Odéon à Paris et il est actuellement directeur du Festival d'Avignon. Dans son conte théâtral, il y a des personnages classiques du conte. Une princesse, un prince, un père et d'autres. Un diable, un ange, un jardinier. L'histoire commence mal pour la jeune fille douce, bonne et courageuse. Elle va devoir affronter les épreuves imposées par le diable. Ce conte magnifique est plein de poésie. Les personnages sont terriblement attachants. Il était une fois un père qui se reposait dans la forêt. Qui a parlé ? Ici. Le père se retourne, le diable aussi. Où ? Toujours derrière toi. Qui êtes-vous ? On m'a donné bien les noms, bruit de rage, poisonien, roi d'Iris, mort de la foi, et des trous, avec qui pue. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est toujours derrière toi. Toujours derrière moi, et à chaque fois que je me retourne ? C'est un jeu. Ça ne m'amuse pas. Alors, prends ce petit miroir et regarde par-dessus mon épaule. Vous n'êtes pas très beau. Le diable change de visage. Tu préfères ce visage ? Visage de crampe. Encore un nom qui me va bien. Le diable change encore de visage. Et celui-là ? Crampe de visage. Homme qui rit de tout. Il le faut bien. Il le faut bien ? Tu dis cela avec tristesse ? Ma vie est dure. C'est pauvre, hein ? Aussi pauvre que cette pierre qui m'a servi d'oreiller. Pierre n'est pas malheureuse. Quand savez-vous ? On n'en va pas à plaindre. Quand savez-vous ? Crois-tu que l'argent console ? Je le crois. L'argent ne consolerait pas cette pierre. Alors cette pierre est idiote ? Je peux te rendre riche. Tu n'as rien à donner en échange. Je ne sais pas chanter et je ne suis drôle que malgré moi. Je ne veux qu'une seule chose. Laquelle ? Ce qu'il y a derrière ton moulin. Qu'y a-t-il derrière mon moulin ? Mon vieux pommier ? Tu seras riche si tu jures de me donner dans 3 ans ce qu'il a derrière ton moulin. Cela vaut peut-être la peine de sacrifier mon vieux pommier. Pourtant, quelque chose me retient. Je te laisse le temps de réfléchir. Alors, j'accepte. Pour signer le pacte, ligne des yeux. J'hésite encore. J'attends un temps. Le père ligne des yeux. T'as cligné. Malgré moi. Malgré toi ? Je ne sais pas. Trop tard, c'est fait. Oui. Où êtes-vous ? Il a disparu. Il faut rentrer la forêt froide.